me réchauffe le cœur. Bonne année. En deuil. Je suis en deuil. Mmh. Bah oui, vous avez... j'ai perdu un proche. Mais oui, en fait, Catherine Laborde nous a quittés. Ah. Oui, enfin, elle a décidé d'arrêter la météo sur TF1. Oui. Ah oui. Oui. Oui, on a vu ça, c'était hier. Ouais, c'est on a triste. Vu ça. Regardez, regardez, c'est triste, vraiment. Après 28 ans de bons et loyaux services, je m'en vais. Je vous emporte avec moi. Vous m'oublierez ? Moi, non. Je vous aime. Très beau ce qu'elle a dit. Non, mais c'est vrai. Je chiale. Alors, ce qui est bien, c'est qu'au moins, elle, elle aura eu le temps de faire ses adieux. Hein, Julien ? Exact, ça oui, 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 oui. Ah oui, bien sûr. La moindre des choses. La moindre des choses. 28 ans, 28 ans. Exactement. Elle peut dire merci, au revoir, je vous aime. Mais bien sûr. Il y en a sûr. Qui n'ont pas pu le faire, du tout, du tout, du tout. On ne sait pas qui, mais il y en a qui n'ont pas moi, je ne sais pas non plus. Alors, là... alors, sachez quand même que dans le monde de la météo, c'est un véritable cataclysme. Enfin, ça en serait vraiment ainsi. Je savais ce que ça voulait dire, cataclysme, mais ça a l'air grave, ouais. Vraiment. Alors, elle dit, Catherine, que voilà, maintenant, il faut laisser la place aux jeunes. Alors, c'est gentil, hein, mais par définition, en fait, quand tu es jeune, tu ne veux pas présenter la météo sur TF1, normalement. Hein. Maintenant... Vous vous rendez compte quand même, comme vous le disiez, elle arrête sa carrière après 28 ans de météo. Mmh. Ça veut dire que quand elle a commencé, j'avais 2 ans. En fait, je crois que je l'ai plus vue, elle, que mes parents. Oui, oui. C'est bizarre quand même. Alors, elle va me manquer, vraiment, elle va tous nous manquer, Catherine. Je crois que je vais me faire des livres audio de ces météos. Vous savez, comme pour apprendre l'anglais, ouais. Dites anticyclone. Anticyclone. Ah, ah ouais ? D'accord. Ce serait tellement mignon que tu fasses ça. Bien sûr, je vais faire ça, je les vendrai à la FNAC. Il faut penser à l'argent, Alice. Ouais. En hommage à Catherine, ce soir, je vais faire une météo. Pour une fois, vous saurez quel temps il fera demain. Incroyable. Fond vert, applause. Merci. Voilà. Alors, je vais me mettre ici. Demain matin, des brouillards givrants se forment sur la moitié nord. Alors, les brouillards givrants, ça veut dire que déjà, tu vois rien. Et en plus, tu te pèles le cul. Attention au regel des sols mouillés qui peut entraîner des phénomènes glissants. Alors, c'est là qu'on découvre la signification des triangles bleus chelous. Ah ouais. Et oui, c'est du verglas. Voilà, 4 mois pour ça, c'est génial. Il fera 4 à Cherbourg et moins 2 à Lille. Ouf. Ça, c'est triste. Demain après-midi, le sud du pays sera plutôt ensoleillé. Vous pouvez le constater. Il fera chaud dans les reliefs alpins et et pyrénéens, d'ailleurs. Voilà, dans les montagnes, quoi. Bref. Donc, si t'es encore en vacances à Morzine, tu peux préparer ton petit selfie vin chaud en terrasse, hashtag nofilter. Il fera 15 à Nice et 1 à Grenoble. Et Catherine, désolée de te décevoir, mais contrairement à ce que tu as dit hier soir, nous non plus, on ne t'oubliera jamais, on te prend avec nous et on t'aime. Oui, oui.